Comment travailler le gainage grâce à la planche? Donc vous allez vous mettre sur un tapis, posé sur les avant-bras et derrière sur les pieds. Vous allez tenir la planche comme vous, votre corps forme une planche, c'est pour ça qu'il a ce nom. Et vous allez essayer de tenir la position pendant 15 secondes, 20 secondes ou 30 secondes selon vos possibilités. Il est possible de le faire aussi sur le côté. Donc, vous allez venir vous mettre sur les pieds et sur l'avant-bras droit, vous allez lever le bassin. Et pareil, on essaie de tenir 15 secondes ou 20 secondes ou 30 secondes. Il faut essayer d'avancer le bassin, de former bien une ligne droite. Et pareil de l'autre côté. On a tendance, l'erreur à... qui est courante, c'est d'être comme ceci. Donc le bassin trop vers l'arrière, pensez à bien forcer le bassin vers l'avant pour former une ligne bien droite. On va travailler le gainage avec une variante plus facile que la planche. Au lieu d'être sur les avant-bras, vous allez vous tenir sur les mains. Donc voilà, on essaie de tenir sur les mains, sur les pieds, et toujours pareil, je rentre les fessiers, je contracte les fessiers, je rentre le bas du ventre. Je tiens. On peut le faire plus en dynamique. Je vais me décaler du mur. C'est-à-dire qu'on tient ici, on va chercher sur le côté. On repose la main, on va chercher sur le côté. Essayez de bien contrôler le mouvement tout au long de son exécution.